Et salut, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, ça va, ça va. Alors, du coup, aujourd'hui, on va faire le stream avant qu'on ne soit plus là jusqu'au. En fait, pendant toute la semaine prochaine, en fait, on n'est pas là. Tout simplement. Du coup, ce sera semaine de rediffusion. Ouais. Et sinon, bah, il faudra attendre le 24 pour le prochain stream. Parce que nous aussi, du coup, on va partir en vacances pour une petite semaine. Donc, bah voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ah, du coup, aujourd'hui, on est partagé entre faire les inputs souris ou faire du debug parce qu'à un moment, en fait, on n'a pas du tout de moyen d'afficher ce que l'UI interprète. D'accord. Ça, c'est Donc, dommage. ça va partir sur des debugs? Sûrement, ouais. Comme ça, une fois que c'est fait, au moins, Ok, bon. on aura l'affichage de tout. Alors. Tout doudou. Changement de cap. Voilà. Donc. Bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-boum. Hop, voilà. Du coup, moi aussi, je me suis mis sur ma station. Alors, il y a deux, trois trucs aussi, au fait, que je voulais t'en parler. Alors, dans un premier temps, je suis toujours en fait un petit peu à l'affût de voir comment ça se passe pour les développeurs amateurs sur Twitch Game ou que ce soit sur d'autres plateformes. Et il y a quelque chose en fait qui m'a paru assez sympa qu'il faudrait peut-être regarder un peu de plus près. Moi, je sais par exemple que tu as Jean-Baptiste Chaud récemment qui a dit qu'il allait faire un truc sur son Discord pour les gens qui font de la qui font des jeux en fait amateurs comme ça De la promo. ouais de la enfin, de la promo slash discussion donc c'est-à-dire que ça peut être pas mal parce que par exemple tu peux faire tester le concept ou quoi et avoir des retours en fait ce qui peut être assez intéressant et ça peut faire partie aussi un peu du stream de voir comment on peut essayer de gérer les premiers retours enfin, qu'est-ce qu'on en retire ou quoi tu vois. Est-ce qu'il va avoir des changements de gameplay grâce à ça ou à cause de ça, tu vois, genre il y a plein de trucs comme ça. Des critiques constructives, hein, parce que même si jamais on fait un jeu sans prétention et que le but était juste de voir comment on peut finir un jeu rien qu'en étant amateur, dans cette dynamique-là, ce serait pas inintéressant non plus de se pencher un peu comme si on allait vraiment le sortir définitivement, en fait, vu que ça, on n'était pas. C'est la seule part un peu mystérieuse de ce projet-là, c'est on s'est engagé à le finir, mais pas à le sortir. Le sortir, c'est une autre histoire. Donc, pourquoi pas s'engager un peu dans ce jeu-là, histoire d'avoir des petits retours, des petits trucs comme ça. Donc, c'est assez sympa. Donc, je pensais aussi qu'on pourrait en parler à un moment donné de comment on peut faire essayer de connaître le jeu et tout ça, parler des différents modes d'audition, et tout juste à titre informatif sur la chose pour pouvoir. Peut-être échanger et créer, on va dire, une discussion assez, pas informelle, mais quand même assez étendue sur la question, sans trop se prendre la tête, histoire de peut-être pour répondre à des questions qui se posent généralement ou quoi, faire une espèce de mini FAQ, des questions qui reviennent le plus souvent quand tu es de ce côté-là. Moi, je sais par exemple que j'aurais quelques questions quand même déjà à poser sur ce point de vue. Mais enfin voilà, donc il y a ça aussi. Et la deuxième chose, c'est aussi, bah. À un moment donné, cette histoire de DA, il va peut-être falloir trancher un peu dans le vif. Et essayer de faire vraiment une vraie étude sur la chose, en essayant de bien exprimer, en fait, si tu veux, notre direction artistique, celle à laquelle on pense, du moins. En mettant, on va dire, les termes, le plancher bien écrit, ce serait peut-être pas mal. Enfin voilà, donc c'est un peu à ça que je pensais récemment. Est-ce que tu as un avis sur la question ou Avoir des retours sur le jeu, c'est beaucoup trop tôt. Oui, c'est beaucoup trop tôt, mais je te parle globalement, hein, évidemment. Je ne suis pas en train de dire que dès demain on Évidemment, fait des retours, mais on peut déjà ça faire connaître le stream. Déjà. on peut faire connaître le stream, mais c'est indépendant de d'avoir des retours sur le jeu, quoi. Oui, je sais, Enfin, mais je voyais ça en mode. Tu vois, genre, j'ai pas dit qu'on allait le faire tout de suite. Hein, t'en fais pas, je suis bien conscient que on n'en est pas là, tu vois. C'est pas ça le truc. après la DA, bah la DA c'est toujours pareil, hein. Faut... Si t'as une idée de DA, mets-la à plat. Hein.
Ouais, il faut vraiment que je la couche vraiment à plat, parce que au final, je me suis un petit peu dit, vu que je suis allé voir un peu ce qui se faisait un peu chez les voisins, chez les majeurs. D'ailleurs, il faudra qu'on recommence les refunting, vu qu'on a pas mal de jeux que tu as trouvé qui seraient intéressants, ne serait-ce que de regarder au moins une fois, d'analyser et faire la veille dessus. Il y a aussi le fait que, comment dire, la DA, je commence à avoir une idée un peu plus précise. De ce que je voudrais bien, enfin ce que je pense qui serait adéquate, en sachant que même pour la musique, en fait, si tu veux, j'ai pensé un peu à la chose aussi pour faire partie d'un tout, parce que bon, l'un ne va pas sans l'autre, en fait, il faut quand même que ça colle un minimum, et ça peut aussi peut-être donner des idées, enfin bref, il y a tout ça, donc c'est vrai qu'il faudra quand même que je le couche par écrit, bonne fois pour toutes dans le GDD. Mais ça encore, c'est il y a tout ça en fait qu'il faudrait qu'on se penche dessus. Mais en tout cas, pour faire connaître le stream, ce serait pas mal parce que des fois, j'ai remarqué qu'avec des questions, on peut essayer de s'orienter sur une décision qu'on pourrait prendre sur le gameplay ou quoi, qui nous avait pas sauté aux yeux sur le moment. Donc ouais, pourquoi pas quoi. Bah, les avis externes, c'est important, ouais. Ouais. On est un petit peu en carence. Après, le truc, c'est que bah, si tu fais de la veille comment dire, de la veille graphique, enfin, c'est spécifique à ça, quoi. Faut pas mélanger le gameplay avec le graphique, quoi. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Bim bam 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 bam, j'en étais où? Pardon, entre-temps, je suis en train d'écrire pour les monstres là. D'ailleurs, faudra que je mette à jour le compteur de trucs. Le nombre de monstres qu'on a, le nombre d'items. Nombre de héros et tout ça. Je sais pas, en regardant la poule de héros, je me dis qu'il y a un manque de diversité de gameplay. C'est pas très. Voilà quoi, c'est pas. Pourquoi? Bah, disons que c'est assez. En fait, c'est. Enfin, après, moi, peut-être que je le vois pas. Je suis pas assez en mode strat sur mon jeu là-dessus. Mais. J'ai l'impression qu'il y a vraiment deux écoles seulement qui se distinguent. Et en fait, t'as des champions, soit tu les prends pour cette stratégie-là, sinon tu les prends absolument pas, quoi. Et ça me Ouais, c'est dérange ce que je te disais. un peu. Ouais, ça me dérange un peu. Champion, c'est ultra spécifique. En fait, t'as pas de champion où tu peux l'avoir en réserve et il est utile. Et tu peux l'avoir en combat et il est utile d'une C'est autre ça. manière. C'est La trop plupart, tranché. si tu les sors, bah, ils se font niquer en un tour et merci, au revoir. Non, c'est plus ce genre, ils sont trop tranchés, du genre, eux, ils doivent être en donjon, sinon ils sont pas utiles. Il y en a d'autres où non, eux, il faut qu'ils restent en guild, sinon ils sont un peu Oui, c'est chiants. ça. Et ça me dérange un peu. Ça me dérange beaucoup parce que moi qui adore laisser choix aux joueurs, en fait, en termes de gameplay, à chaque fois que je fais des JDR ou quoi. Ça me saoule un peu cet état des héros, donc il va peut-être falloir que je retravaille la question parce que c'est pas intéressant au final. Ça risque de. Voilà, donc je pense qu'il y a peut-être soit le moyen où on va merge deux héros qui vont en donner qu'un seul et en fait ça va être un amalgame de leurs capacités et comme ça du coup on pourra rendre le héros en question plus versatile. Sinon, bah voilà quoi, donc. Je sais pas, il faut que je fasse ça. D'ailleurs, j'avais commencé déjà à faire ça. Genre, il y a par exemple, tiens, il y a un exemple tout con en plus, qui est déjà tout nommé. Il y a une compétence de guilde qu'un certain mage avait en tout premier. C'était le mage-feu, ouais, voilà, Ekmet. En gros, il avait la compétence de guilde conseil des mages. Tous les mages gagnent un bonus de 1 de dégâts à leur capacité quand il est en guilde, hein. Donc. C'est pas mal. Sauf que du coup, moi je me suis dit, mais s'il est tout seul, un de dégâts, c'est que dalle. C'est de la merde. Tu vois? Donc du coup, Aucun bah. seul match, c'est ça? Ouais, si jamais il est tout seul dans le. Non, non, attends. Je reformule. On va voir C'est quoi si. l'aspect que... En gros, c'est tous les mages gagnent un bonus de 1 de dégâts à leur capacité. Ouais. D'accord? Donc, ce qui peut être intéressant dans ce cas-là, c'est que tu vois, tu mets pas mal de mages en guilde qui ont cette spec-là. Pour augmenter tu vois les mages en donjon.
Sauf que si jamais t'en as pas d'autres de héros qui ont cette capacité-là, ça sert à rien. C'est de la merde. On est d'accord. Bah, c'est pas suffisant en fait. Voilà. Non, c'est pas... Et moi, je voulais le mettre à 1 parce que je me suis dit, avec le cumul, je veux pas non plus qu'on se retrouve, si jamais par exemple je mets 5 de dégâts en bonus, je veux pas que, genre, avec seulement 3 mages, bah du coup tu fais un mage qui one-shot tout sur son passage, quoi. J'avoue que ça a dû jouer. Donc, j'avais mis 1. Après, le problème, c'est qu'après se pose la question de l'équilibrage. C'est-à-dire que si jamais je le laisse à 1, on va voir le maximum tout de suite. Normalement, alors, à moins que je dise une grosse connerie, il me semble qu'avec même les améliorations de guild, je crois que tu peux arriver à 8 champions, je crois, dans ta guild. Non, pas 8 champions, c'était 6, il me semble. 6. Donc imaginons que tous tes champions en guild soient des mages qui ont cette capacité-là. Bah ça fait que plus 6. En gros, tu es en train de te niquer plein de passifs juste pour améliorer peut-être même seulement un seul connard dans le donjon. Donc c'est chiant, en fait. C'est un peu de la merde. Donc seulement pour ajouter plus 6 à ses compétences. Enfin bon, bref, oui, je sais que ça peut être pas mal fort vu des points de vie que les monstres et que les héros ont, mais ça reste un petit peu handicapant en fait sur la longue. Parce que t'en as d'autres qui vont avoir des héros qui vont produire des trucs, des items, genre des items par exemple tout simplement la chamane là, qui a le totem de vie qui pro. Enfin voilà, en gros ton héros il meurt pas si jamais il se fait niquer. Tu vois, il revient à la vie avec un point de vie restant. Donc en gros c'est un peu un trompe-la-mort, mais ça reste quand même un item que tu peux utiliser à n'importe quel moment et c'est un héros qui le génère, donc c'est quand même pas mal. T'en as d'autres aussi qui font des potions, t'en as d'autres qui vont carrément t'offrir des petites des petits trucs un peu sympas, genre soigner ou voilà quoi, il n'y a que des trucs comme ça. Et du coup, bah, cette capacité-là devient un petit peu de merde, en fait, en comparaison. C'est handicapant pour rien. Et du coup, Ekmet, vu qu'on parle du même héros, bah en fait il est beaucoup plus utile dans le donjon. Il faut absolument pas qu'il aille en guild, sinon en fait il prend juste une place pour rien. Limite. Donc, il y a de ça. Puis en plus de ça, ils sont pas non plus 500 à avoir cette capacité-là en guild, quoi. En fait, le truc, c'est que, comme je te disais, les héros, tout seuls, ils sont pas fous et ils fonctionnent que en combinatoire. Ça, le problème, je pense. Enfin, il y a un truc qui va pas là-dessus, en fait. Parce que c'est, en fait, t'es obligé, du coup, de te spécialiser. Sauf que, bah, tu sais pas quel héros tu vas avoir, tu sais pas sur lesquels tu vas tomber. Ah. Mais il y a de grandes chances qu'en vrai, tu le. Comment dire, tu le. T'auras pas ce que tu voudras, en fait. Merci, Wengus, Ouais. Wa. Oui. Oui. Je suis désolé pour la prononciation de ton pseudo, gros. Merci pour le follow, ça fait très plaisir. Et du coup, bah, t'arrives en pleine discussion justement de gameplay. J'espère que ça te plaît ou quoi. Plein d'erreurs. Et assis-toi, tout va bien se passer. Merci d'être venu. Si tu as des questions, vas-y. Ce sera très bienvenu. Du coup, oui, donc, je comprends tout à fait ce que tu dis. Mais le truc, si tu veux, moi j'aime bien cet aspect-là de combinaison, tu vois, de te faire comme une espèce de, tu vois, genre d'avoir la bonne combinaison qui va faire que ça va être assez jouissif de pouvoir sortir la combinaison, tu vois, que tu t'attendais ou que tu as essayé d'élaborer au fur et à mesure que tu as reçu les cartes héros ou que tu en as acheté, tu vois. Après, j'aime bien cet aspect-là, mais après je comprends ce que tu es en train de dire dans le sens où, Là, ça marche que par ça, en fait. voilà, et que ça ne marche que par ça, et ça c'est problématique, et ça d'accord. En Ce qui fait, fait que du coup, en fait, c'est un peu genre un deck contre un autre deck, c'est ça. sans que tu puisses En avoir le dire contrôle, non, en fait, j'apporte mon ouais, deck en fait. Et c'est ça. du coup, bah, ce qui fait que si t'as pas de bol, tu tombes que sur des trucs qui vont pas ensemble. Du Ouais, coup, bah, ouais, tu peux ouais. pas du tout te mesurer à quelqu'un qui a un bon set Je suis d'accord, je suis d'accord. et Mais en tu peux fait, c'est trop rien RNG. faire. Ouais, c'est trop RNG là-dessus. Et en fait, t'es trop handicapé par un potentiel bad luck. Enfin, un petit peu la loi de Murphy de merde dans ce genre de cas. Hey, ce qu'on disait sur End of Fate, tu vois. Ah oui, End of T'as Fate, pas de bah oui. bol, tu te fais wipe et C'est tu plus peux rien faire en fou. Ouais, fait. en fait, Tu c'est plus foires fou. juste tout en fait. Je comprends. Ouais, non, mais justement, donc, du coup, moi, je pense que le but, après, moi, maintenant, c'est de revoir, en fait, les héros dans leur intégralité, dans le sens de kit de sort. D'accord? Dans l'équilibrage.
pas dans le système de comment ils sont foutus, parce que bon, je pense qu'on tient un truc plutôt simple à piger et pas trop dégueu, si je puis dire. Après, à voir, hein, si ça se trouve, on aura une illumination et on va refaire ça autrement, mais le truc, c'est que. Du coup, bah moi, oui, voilà, donc du coup, je suis d'accord avec toi en partie. Dans une grosse majorité, on va dire, parce que c'est vrai que le fait que si jamais c'est trop sujetti à la bad luck, bah du coup, on fait quoi? Genre, le On gars, pleure. voilà, on pleure et ça fait comme dans End of Fate 2, c'est-à-dire que tu peux passer une très mauvaise game, sachant qu'on a eu deux expériences différentes, il me semble. Mais Parce que justement, toi, t'avais une game à peu près normale où genre ça alternait les trucs qui vont bien, les trucs qui vont pas bien. Moi, je m'étais pris une game où rien n'allait. ouais, voilà, t'avais littéralement un Lloyd Murphy sur le coin de la tronche, quoi, c'est clair. À partir de ce moment-là, il y a un truc où fondamentalement le mec il arrête et il fait bah non, je reviendrai pas C'est dessus. ça. Donc, ouais, non, mais je vais quand même essayer de rebosser les héros et leurs capacités en accord avec ce que tu viens de dire. Parce que je m'en suis moi-même, tu vois, surpris à le voir et je dois avouer que ça me fait pas des masses plaisir. Parce que du coup, d'un coup, bah, je vois directement le joueur ou la joueuse derrière en mode genre, putain, mais sérieusement, quoi? Ça suffit, je voudrais avoir les bonnes cartes, tu vois. Donc voilà, sauf que c'est pas un poker, donc du coup tu peux pas bluffer avec ce que t'as et essayer de t'en sortir. Parce que malheureusement ça marche pas comme ça. Du coup ouais, non, il va falloir Après, faire en ça. vrai, ça se voit. Je pense que ça se voit très vite. Hein. Il suffit de faire les cartes en papier et t'essayer de jouer au jeu papier. Je pense que tu vas très vite te rendre compte que tu n'auras pas le draw qu'il te faut et que du coup, tu vas juste te retrouver entre deux moitiés de deck qui font que bah c'est pas. Y a pas justement le côté genre cool, j'ai réussi à mettre en place mon piège et c'est trop de la balle. Et en même temps, bah c'est pas fou. Et t'as encore pire le coup de pot de bol où vraiment t'as rien qui va ensemble et bah là t'es juste en train de souffrir et tu peux rien faire en fait parce que tu peux même pas dire je vais aller chercher un héros spécifique en fait. Je crois que t'as peut-être une carte qui fait ça. Alors, des héros spécifiques, non. Par contre, il y a des cartes qui génèrent des héros. Hein. Genre, il y a une carte Event. Attends, je reprends le document Event. Dans les thèmes bonus, malus, non, c'est dans les thèmes loot, je crois. Voilà, oui, thème loot. Prisonnier libéré. Ajoutez à votre guilde une carte héros aléatoire. C'est ça que ça met. Ouais, mais c'est un héros aléatoire. Alors que C'est ça. tu pourrais avoir une carte événement chasseur de tête, aller chercher un héros spécifique dans la deck de héros. Oui, carrément, ouais. Bah d'ailleurs, tu sais quoi, maintenant que tu Quel l'as cas dit. là, du coup, tu peux déjà un peu plus avoir du contrôle sur ce qui va se passer. Mais en fait, tu peux pas genre spammer d'événements qui font ça, parce que sinon, bah dans ce cas-là, en fait, les héros, ça devient juste un store comme un autre, en fait. Qui est pas forcément déconnant, hein, ça peut être un store. Non, mais c'est bon, là je suis en train d'écrire la carte Event, recruteur de la guilde. Aller chercher un héros spécifique, quoi. Choisis, c'est un héros spécifique. Et ajoutez-le dans votre guilde. C'est un event. J'ai mis en mode event, hein, pour le moment. Ça, par contre, le recruteur de guilde. Pardon, excusez-moi. Faudrait voir. Mais oui, non, mais oui, il faut que ça soit un peu plus. Après, à la sélection de tes quatre héros, tu peux essayer, tu vois, d'influer un peu le sort, mais c'est vrai que c'est très minime, hein, pour histoire d'avoir un. Même t'as le choix qu'entre deux Voilà, c'est héros. ça. T'as un choix contre deux héros et c'est un peu. En fait, c'est celui qui vient derrière qui a peut-être plus de choix en fait. Celui qui pioche en premier, il est un peu plus dans le bah j'assume ce qu'on me donne quoi, alors que l'autre derrière, il peut se décider en Ah, il peut se décider, mais pareil, il peut se décider que sur un seul héros en fait. Et il a le choix qu'entre deux héros. Ouais. Et après, tu sais pas quelle pioche, enfin quelle carte vont sortir après, donc. c'est ça. Donc en vrai, t'as pas vraiment de contrôle, Après, quoi. t'as ton élu hein, que tu peux choisir par contre entre tous. Ouais. Mais l'élu, il a juste 3 vies, en fait. Ouais, par contre, tu as déjà le choix entre tes. Dans tous les héros, donc c'est-à-dire que tu as déjà le choix du héros de base, celui qui va être. Enfin bref. Mais en vrai, l'élu, il apporte rien à part le fait qu'il puisse être raise plusieurs fois. Ouais, exact. On pourrait considérer que l'élu, à partir du moment où il est là, bah en fait, possiblement,
t'as x2 sur ses specs ou n'importe quoi, tu vois. Enfin, parce que à part le fait qu'il puisse être plusieurs fois, c'est un héros comme les autres. C'est ça. Après, tu sais, t'as l'idée un peu naze, un peu facilité, un peu de facilité. Ce serait par exemple que au début de game, en fait, les deux joueurs, enfin les joueurs, choisissent leurs quatre héros de départ. Ouais, mais si les deux joueurs veulent le même héros, tu fais quoi? C'est ça. C'est niqué. Tu peux pas. C'est ça. Exact. C'est pour ça que, enfin, je pense que c'est pour ça que de base t'avais dit que c'était un choix entre deux cartes. Ouais. C'est que bah tu peux pas du coup dire moi je veux celui-là mais moi aussi en fait. En effet. Après il y aurait, putain, en fait si tu veux il y aurait des trucs, hein. Après t'en aurais le choix un peu qui rajoute du gameplay, t'aurais le choix un peu qui serait en fait carrément tu vas te transformer un peu. En fait j'ai deux choix qui me viennent en tête. C'est vu qu'on a des classes entre guillemets dans le jeu, qu'on a réuni en grande famille hein, pour les besoins de gameplay. Qu'il y a des tonnes au final des classes. Alors, on a. Que je relise le truc. On a Mage. On a. Prêtre. En fait, on a Mage et Prêtre. Après, on a Guerrier. Rôdeur et Brigand. Donc, on a 5 classes. Ok? Enfin, dans la grande majorité. Après, ils ont des sous-classes chacun. Hein. Je veux dire, on va pas partir dans les druides, les chamans et tout ça, parce que sinon après, on en a des millions. On pourrait faire en sorte. Tu vois le système dans Darkest Donjon, que à chaque fois que tu vois que t'es dans le hub de la ville, tu peux aller à la. Tu sais, Merde, comment on appelle ça? La charrette là. Ouais, voilà la charrette. Et en gros, tu vois, il te propose 4 héros aléatoires ou 2. Enfin, ça dépend si tu l'as amélioré. Mais on va dire, dans notre cas à nous, on peut mettre qu'il y a un choix de, on va dire, de 3 héros aléatoires. À chaque tour. Est-ce que ça essayerait pas de contrebalancer, on va dire, cette espèce de trop d'ARNG par rapport à la construction de ton équipe. C'est-à-dire que du coup t'aurais 5 héros qui seraient sortis et tu peux en prendre un et il y en a un autre qui le remplace ou un truc comme ça. Ouais voilà, ou en gros genre tu vois, ou sinon ça se reset tout à chaque tour ou un truc dans le genre tu vois. Ça donne déjà un peu plus de choix. Ouais. Et en vrai c'est déjà pas mal. Parce qu'après, il n'y a pas non plus d'immense quantité de héros pour l'instant. Du coup, ça vient en faire un store à part, quoi. Ouais. C'est plus un deck, quoi. C'est un store comme le store à objets, machin, tout ça, quoi. Comme je disais, hein, pourquoi pas, hein, c'est pas déconnant que ce soit un store, mais du coup c'est plus la même approche. C'est ça. Ça peut être intéressant d'explorer cette... Mais d'ailleurs il me semble qu'on en avait parlé au tout début, qu'il y aurait cette espèce de truc là, un peu hybride là, du marchand, qui vendrait aléatoirement des items ou quoi, mais bon là on peut le remplacer par les par la charrette quoi. Putain, il y a un nom mais je l'ai pas en tête là, je l'ai sur le bout de la langue en plus. C'est parce que tu cherches. Ouais, c'est parce que je cherche. Donc... Bon, écoute, on verra après. Mais dans l'idée, ouais, ça peut être pas mal parce que pour donner un peu plus de contrôle aux personnes quoi.
construire leur deck, pour construire leur machin et tout. Ce serait ben nice. Ce serait ben nice. Mais après, encore une fois, je crois qu'il va falloir qu'on fasse une maquette en papier, histoire de voir comment ça se joue vite fait. Ouais, parce qu'après, enfin, faut les règles inhérentes au store. Je sais plus comment il marche le marchand à objet, mais typiquement, est-ce que justement une fois sortis, les héros restent là? Et tant qu'ils sont pas retirés, bah en fait, c'est ceux-là que tu peux choisir. Parce qu'au contraire, bah ils changent chaque tour complet de la table. Ou alors, en fait, tu peux payer une somme et ça les change tous. Ça peut. Alors moi, je penserais plus à un tour complet de la table, parce que en fait, si tu veux, sinon après, on va se remettre sur le problème du. Imagine, tu vois, il y a des héros qui sont proposés, aucun des joueurs n'en veut. Mais vraiment, genre, c'est pas du tout dans leur idée de les avoir. Et en fait, ça devient un store qui est abandonné pendant toute la partie parce que aucun des joueurs veut les héros proposés. Est-ce que c'est pas intéressant justement de faire un tour complet comme ça? Du coup, tu sais, il y a un peu une histoire contre la montre du genre, ah putain, là je viens de voir que le héros est sorti, celui que je voulais. Parce que du coup, ils sont payants, les Oui, héros. bah bien sûr. Donc en gros, si t'as le héros qui te va bien, qui sort, mais que t'as un tour de pouvoir l'acheter, t'es niqué. C'est ça. Mais Donc, après. perso, je trouve ça plus intéressant qu'il reste là, et si personne n'en veut, il y a un mec qui paye, je sais pas, 10 pièces et ça wipe le store. Ça D'accord, ressort donc 5 cartes. avec quand même au moins la fonction, enfin une fonction de web store, quoi. Donc ouais, non, mais si oui, il y a la fonction web store, ouais, à la limite, pourquoi pas. Après, encore une fois, bah non, en fait, non, non, si, ça marcherait en vrai, parce que c'est juste économique qu'il faudra encore une fois se poser la question, mais ça, c'est une autre histoire. En vrai, pourquoi pas? Parce que je préférerais ça que soit les joueurs soient bloqués en fait à cause d'une mauvaise poule qui est sortie. Et donc du De coup, toute façon, qu'il soit bloqué, c'est pas intéressant. Enfin, oui, voilà. Sinon, en à fait, c'est juste moins on que. échange le problème contre un autre en fait. Donc c'est pas le délire, quoi. En fait, encore une fois, ça dépend du coût d'un héros, quoi. Si ton héros il coûte pas forcément cher, tu peux prendre un héros qui t'intéresse pas et le mettre en guide parce que de toute façon, il aura un effet passif quoi qu'il arrive. Si après un héros c'est un investissement, bah ouais, non, dans ce Bah, c'est cas-là, un non, peu un on peut investissement parce que prendre tu deux. sais, t'as quand même une limite de héros que tu peux avoir en guilde. C'est pas illimité la place. Mais tu peux pas en sortir, tu peux pas en virer. Si, c'est justement ça, Ou c'est alors. un des trucs que tu vois dans lesquels tu vois, je réfléchissais, c'était de virer un héros. Sauf que le virer un héros, je veux que ça c'est un sens. Donc je pensais limite en fait, il se casse et vraiment, genre. Tu vois, tu peux plus le racheter plus tard, tu vois. Bonsoir. Hey, salut Gadgad, Bonsoir, comment tu vas? Gat-Gat. Ben ça va. Et vous? C'est la Ça va. forme. Donc je sais pas si t'as suivi, mais en fait on parlait d'un problème qu'on avait avec les héros en question. J'ai jamais été d'accord avec ce système. Non, je déconne. Je vais trop c'est. Donc ouais non, en fait là on discutait de la façon la plus comment dire, comment on pouvait régler le problème en essayant d'apporter quelques petites pierres à l'édifice, et notamment le fait que bah déjà il y aurait un store aéro qui est pas inintéressant. Franchement l'idée me plaît et c'est pas inintéressant en fait à la longue, et les héros va falloir que je les retravaille parce que ils sont un peu trop spé en fait. C'est soit c'est des héros à guild, soit c'est des héros à combat, et c'est marre, tu vois. D'accord. Donc, ouais. C'est la race. Ouais, c'est un peu la race. En fait, il n'y a pas beaucoup de. Enfin, disons que c'est. La synergie, elle n'est pas non plus fofolle, quoi. Et on pourra dire ce qu'on veut. C'est comment dire? Hein? Dire ce qu'on veut. Ouais, on pourra dire ce qu'on veut, mais en vrai, si jamais il n'y a pas beaucoup de synergie
ça risque d'être complètement chiant et un truc de fou furieux quoi. Alors j'espère qu'on vous entend bien en fait sur le stream parce que je trouve que vous parlez un peu bas tous les deux. Moi je parle normalement. Bah écoute, je crois qu'on peut pas discuter. On verra. Vous dites que j'allais me faire foutre KGB. Non, j'ai l'impression que ça va, j'ai l'impression que sur le stream le son est ok. Ok, nice. Limite, c'est toi qui est un peu bas. Ah ouais? T'es plus bas que moi sur le stream. Ah ouais, sérieux? Ah ouais, Chaque et Matt, qu'est-ce que tu vas faire? Charlatan. Punaise. Mais il est pas là, Charles. Mais... Ouais, t'es marrant, toi. Hein. Il est en forme. Hein. Niveau code, tu fais quoi de actuellement, du coup? Je suis en train de bugger, là. D'accord. Là, j'essaie de voir du coup pour ajouter le debug en place de wireframe de l'interface. Puis je me suis souvenu que on avait vraiment fait un truc dégueulasse pour le render. Ah oui. On a le pointeur de fonction de render et. Ouais, ouais, tout à fait. Du coup, bah pour le debug, c'est un peu chiant. Pourquoi? Ça veut dire qu'il faut une autre fonction de debug en fait. Ah, oui, d'accord. Ou alors un booléen pour dire hey, je suis en debug. Ou alors un statique booléen pour dire hey, actuellement il faut debug. Ok, ok. Peut-être un statique booléen, c'est pas déconnant en vrai. Ouais. Tu sais, la checkbox elle va directement alterner ce booléen et. Du coup, je sais pas, moi, le truc de debug, j'aurais plus tendance à faire un truc externe, tu vois, qui va faire de l'introspection dans ton système. Il va parcourir la hiérarchie à la main, tu vois, et faire son truc. Que ah ouais, carrément. Interne. Ouais, je sais pas. Ça me paraît plus propre en fait d'avoir un truc qui est pas. Mais les deux font le taf. C'est une question de préférence. Je pense. En gros, tu voulais faire une méthode render debug ou un truc comme ça qui te. Bah au début, je me disais, ouais, faudrait peut-être faire une méthode render debug. Mais en vrai, ça me fait chier. Que ça veut dire qu'il faut rajouter le pointeur partout. Ouais. Et surtout, bah du coup, tu peux pas vraiment l'avoir en argument que en debug, tu vois. Ou alors, faut doubler tous les constructeurs, machin, tout ça. Ouais, mais tu. Pas très fan, tu vois. De if def and debug. If def and debug dans les arguments. Ça passe. Dans les arguments. Ouais. Ah ouais. Et allez, un nouveau document, c'est... allez. Ouais. C'est pas hyper visible, mais c'est possible. Ouais, c'est pas très jojo, quoi. Sinon, tu vois, t'as la solution d'avoir ton booléen statique, ouais. Global, if and def aussi, et le render, il va voir s'il est vrai ou faux, et puis il drôlera le debug. Ouais, tout ça. Ceci dit, en vrai... Parce qu'il n'y a que les bases widgets en fait qui ont un render de debug. Il n'y a que eux qui ont la taille, c'est ça? Bah il n'y a que eux qui ont une position et une taille, ouais. Base widget, il ressemble à quoi? T'auras pas vraiment besoin de faire du debug spécialisé par composant. Par bah, je sais pas, justement. C'est la grande question. Ça, c'est arrivé, je pense. Très probablement, ouais, parce que. Normal.
Et toi, tu disais plutôt un truc qui introspecte le système? Ouais. Bon, ça va faire une merde, hein. Parce que si on fait l'introspection de système, quoi qu'il arrive, en fait, on va tomber sur un base widget. Il va falloir récupérer tous ces components. Il n'y a plus le render de debug sur chacun des deux components. Oui. C'est vrai. Sauf qu'il a pas de. Il a pas de render debug du coup à niquer quoi. Ouais, c'est vrai. Ou alors faut rajouter, comme tu dis, rajouter un paramètre if défait quoi. Tu vois, ça veut dire forcément aller ici, venir ici et ajouter le paramètre entre les deux. C'est ça. C'est quand même mieux si on a une fonction de debug à côté, quoi. Pas la même, quoi. Ouais. Faire ça, hein. Terrible. C'est terrible cette histoire, quand même. Au final, t'as pu te libérer ce soir, je crois qu'on serait... Ouais. On serait malheureusement que deux. Tu veux tout de suite hein, que ça t'énervait. Non, mais c'est malheureux quand Gadget il est pas là, tu vois. C'est tout de suite... Moins d'humour. Plus triste, ouais, voilà. Et puis la note d'humour spéciale et unique. Voilà. Elle est clairement unique, l'humour à la Gadget. C'est drôle en plus. Ça je dirais pas mais... Agree to disagree. Après sinon j'ai regardé comment je pouvais rendre un carré en wireframe mais... Ouais. J'ai pas trouvé. J'arrive pas à trouver le bug d'IMG8, c'est un bordel. Je sais pas où aller. Dans IMG8 ça peut être compliqué, par contre on a nous, ce qui s'appelle un debug renderer. Ah. Qui permet de faire ce genre de truc. Ah. Et là t'es content. Par contre le debug renderer il rend dans les coordonnées du monde. Ah non. Et pas dans le repère. Ouais. Du coup ça peut être différent pour toi. Oui. Non c'est pas le base widget que je cherchais, c'était le base widget component. Après, tu peux te faire une matrice qui transforme des coordonnées de l'espace du Y en coordonnées dans le monde. Et du coup, multiplier tous tes points par ça avant de l'envoyer au compteur. La passion. Tac, c'est pas ça. C'est ça, oui. Du coup, faut que je prenne le même argument qu'au-dessus, en fait. J'aurais pu prendre toute cette histoire. J'ai envie de dire que j'avais pas changé du coup les arguments. Ouais, non, du coup, c'est bon, c'est juste. Yeah. Ah. Comment ça, sinon Gadget? Ça va, c'est les vacances. Ah, c'est les vacances, ah oui. C'est... Ah ouais. Je oublie. C'est de la balle? Tu t'éclates? Ah ouais. Ouais.
Bah attends, du coup, t'es dispo toi le 16? Bah non, je suis en vacances. D'accord. Il est en vacances, donc il est pas... Par deux semaines après, là. Ah bah tiens. Je viens de voir qu'il y a une méthode qui calcule. Ah ouais, non, c'est pas ce qu'il faut. Pardon. Ah bah bravo, le faux espoir, merci. Ouais, mais du coup, t'as des exemples pour en faire ta matrice qui calcule, qui transforme en du monde. Il y a un compute world to screen matrix. Et toi, faut que tu fasses l'inverse. Je vais prendre celle-là et l'inverser, non? C'est pas bon. Qu'est-ce qu'il dit? C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ah bah oui, là c'est clairement le jeu, comme tu dis. Bah ça fait ce que tu veux, ça. J'ai trouvé une piste incroyable. Ouais, là il y a une matrice qui fait l'inverse de ce que tu transformes de... Ouais, du coup il suffit d'inverser la matrice comme tu disais. Je pense, ouais. Pour la transposer. Merde. Ah bon, le searching de place c'est incroyable. La technologie. Ouais. Si tu connais un truc il y a pas longtemps, c'est copier-coller. C'est où? Tu te crois malin? Non. Non, ce qu'il dit. Debug render de route. Ouais, mais non, que si on est en. Oui, interface debug. On commence déjà à oublier la moitié du truc. Je vais mettre tout le temps. Comment? Et puis je débug tout le temps. On n'a pas le temps. Là c'est incroyable, ça a rien changé. Ça a surtout pas compilé. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? J'ai dû oublier une virgule quelque part. J'ai oublié de nommer des arguments. J'ai oublié de prendre des arguments aussi. Ah bah là là, putain. Bah parce que c'est pas. Alors qu'est-ce qu'il dit? Quoi? Parce que c'est pas le bon ce que t'as fait. 46. C'est pas des bugs en heure, c'est. Mais oui. Mais ça ne va pas du tout. En plus, c'est même pas le RHS, quoi. Ouais. Non, ça fait copier-coller, là. Ouais, grave. Mais c'est même pas ça qui me niquait, c'était sur le base widget. Ça va être la même. Ouais, c'était ça. Okay.
Je sais pas pourquoi je regardais la ligne base widget CPP pour un enfin, milieu U. J'ai pas les yeux en face des trous, je crois. Je reviens, je vais me faire un café. Mais en tout cas, pour ma part, là, j'ai fait des élaborations de possibles strats que j'aimerais bien voir dans le jeu. Je commence à avoir un peu des idées un peu plus claires de ce que je pense que ce que je vais devoir refaire chez les héros. D'accord. Et du coup, c'est pas mal en vrai comme idée. J'aurais dû faire ça à la base. Ouais, de partir de ce que tu veux voir aboutir. Ouais, mais j'étais con. J'aurais dû commencer par ça en fait. Parce que en vrai, du coup, ça me donne des idées de combos plutôt pas mal. Puis j'essaie de faire une pluralité de combos possibles en séparant, tu sais, comme quoi tu peux avoir deux types de spé, que ce soit pour la guilde ou pour les héros en combat. Mmh. Tu sais, on peut faire cohabiter les deux trucs. Ouais. Bref, je reviens. Du coup. Attends. Oh, c'est vraiment pas joli. Si t'avais un clan format, ce serait plus joli. Je crois que ça, franchement, tu peux pas le rendre joli. Ouais. Oh putain, je suis perdu. RHS. Devil Renderer. C'est d'aligner comme on peut. Si t'avais clan format. Je sais pas si il aligne avec les parenthèses ouvertes en format. Ça dépend de ta config, j'imagine. Ouais, c'est ça. En général, quand il y a des macros, ça se passe pas très bien. Que lui fait une compilation, du coup. Ouais. Interpréter les macros, du coup, après ça peut faire du 4. On peut vite partir en live, hein. Debug renderer. Commence par. Ça, ça a été fait, donc c'est bon. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste rien, voilà. C'est bon. C'était minime comme erreur, franchement. Donc là, si on met le debug, ça rentre deux fois. On verra pas, mais ça va rentrer deux fois. Ou alors ça a craché parce que j'ai fait n'importe quoi, c'est possible aussi. Ah bah bravo! Faut tester. Ouais, ça se voit. Sur le texte, on le voit. Ouais, parce qu'il y a un peu d'alpha du coup. Ouais, ah ouais. Donc ça marche bien. Y'a plus qu'à faire des vraies fonctions de render debug. Ouais. Ça en a plus besoin, ça dégage. Bon bah je vais devoir ajouter beaucoup d'items. Ah. Il y aura plus de place après. On n'avait pas déjà beaucoup des items? Alors attends. Et du coup tu disais avec MGUI c'est compliqué de render des box. Ça doit être faisable parce que tu peux aussi aller directement dans du mettre des trucs pour OpenGL, mais je sais pas faire, c'est pas vraiment fait pour ça quoi. Vous entendez la bagnole là ou c'est y'a que moi c'est bon? Y'a que toi. D'accord, c'est bon. Ouais, je te propose d'utiliser notre superbe debug render qui est beau, il est fait pour ça. Ouais, mais je vais avoir besoin d'arguments du coup. Regarde dans des bonnes méthodes que statiques qui s'appellent. Un carré, ouais. Dessine-moi un mouton. Non, on l'a pas fait celui-là. Mais... J'ai tapé. C'est vrai que ça devrait être dans tous les game engine dessine-moi. Dans renderer debug, HPP, tu as des méthodes. Il y a le init et le deinit, t'as pas besoin de l'appeler, c'est fait automatiquement par le graphic engine. Après, t'as les méthodes drawline. Polygone. Attends, je trouve où c'est tout ça. Non, Graphic Engine. Ouais.
C'est render debug du coup tu dis. Ouais. Et du coup ouais, je pense que ce sera juste drop polygone. Si tu veux pas le remplir, sinon drop solide. Polygone si tu veux, une couleur à l'intérieur. Oh putain. Et du coup, ouais, c'est des positions en world, tu disais. Ouais. Et du coup, après, si tu vas dans Matrix Helpers, .hpp, tu vas convert world, compute world to screen matrix. Et du coup, toi, tu prends ça, tu la transposes, et paf. En plus, et donc, du coup, tu vois, il me faut la caméra, l'aspect ratio, la window size, ou la matrice directement. Ouais. Je les ai pas. C'est vrai. Du coup, il va me falloir des arguments. Tout à fait. À moins que tu te fasses un truc. Un truc à part dans un fichier aussi avec une fonction libre qui va te faire le taf. Tu vois, qui te fait ton draw screen rect ou un truc comme ça, tu vois. Et dedans, ce truc là, tu feras le. Tu fais une matrice statique dans ton CPP et que tu dois update dans ton principal. Paf. J'ai rien compris. Ce que toi tu peux vouloir faire de l'appel de base que tu auras, ça sera dessiner un carré, un rectangle en lui passant des coordonnées de d'écran. Et du coup tu peux faire une méthode qui te fait ça. Passer juste des coordonnées d'écran et dans le même fichier, enfin un autre endroit, tu fais une méthode qui est update. La matrice, comme ça l'update de la matrice tu l'as fait une fois dans ta boucle principale. Et ensuite, dans du les coup autres, la matrice tu vois faut que je l'ai quelque part quoi. Ouais bah tu la stocks dans un CPP. À l'arrache quoi. Ouais. Sauf si après si tu veux la mettre en argument. Comme tu le souhaites. Pour interdit. Alors je regarde, apparemment il y a des rectes directement dans le jeu. Ah. Ça sera peut-être plus simple. Pas d'offense pour toi, mais... Ah non, mais non, c'est simple. Ça sera probablement plus simple. Mais ouais, je sais pas comment ça fonctionne dans les deux. Il y a là le fichier démo dont tu me parlais depuis... Ah, je l'ai pas trouvé. Depuis quelques années. Alors je l'ai pas trouvé, mais en fait je suis tombé sur un post de quelqu'un qui fait ouais dis donc comment on fait pour draw sur la mainframe machin et tout ça. Du coup le mec répond en lui montrant un snippet de la démo, ouais. En donnant le code de la démo, et en fait depuis du coup le code de la démo tu peux retrouver le fichier, je sais même pas où il est tu vois. Okay. Mais je sais pas comment les gens font parce qu'en vrai c'est fastidieux de trouver les infos je crois. Ah ça la... Ah d'accord, c'est la racine du repo en fait. Ah. J'ai absolument pas regardé là. Je la regardais partout mais pas là. Je cherche un fichier source ou un truc comme ça. Je suis encore jeune et innocent. Donc apparemment, la technologie veut que... Rect. Adrect. Ah ouais, draw list adrect. Ah ouais. Ouais, c'est ça en fait. Donc normalement, faut récupérer la draw list. Ce qui est bien, c'est que du coup, c'est. Entre guillemets, pour l'utilisateur, c'est contexte insensitif quoi. Genre, tu fais un get de la draw list, tu rajoutes dedans. Quand même pas. Par contre, là, il faut que tu le mettes dans la mainframe. Parce que là, si tu fais ça, il va récupérer la fenêtre actuelle. De quoi? Si tu fais get window draw list, je pense qu'il va te renvoyer la draw list de la fenêtre. Ah non, oui, de la fenêtre IMGU actuelle. Ça a destiné dans la fenêtre IMGU.
Ah, ça dessine dans la fenêtre, si j'ai vu. Je pense. C'est pas bon, du coup. Tu crois que c'est ça? Je suis à peu près sûr. Parce que c'est ce que... Mais toi, tu peux dessiner... Le mec qui dit, ouais, c'est ça draw. Dans la window IMG8, mais pas dans la... Oui, mais en fait, on peut le faire ça. Je viens de me rappeler que le texte qui est affiché, il passe exactement par ça. Donc si tu vas dans la méthode RenderText que tu as utilisé, tu dois pouvoir voir comment récupérer la draw list de la background. Merde. Et du coup, à partir de là, ça sera gratuit. Oh, salaud. je peux pas. Tu sers à rien. C'est dans rendertext.hpp de toute façon. Starfax. Non. .cpp. Et puis c'est même pas ça en fait. Ça c'est RText, c'est pas GE. Oui, mais c'est ça. Ça va appeler ce truc là au final. Ah d'accord, j'ai fait un saut supraliminique. Exactement. Et du coup dans RenderText t'as IMGV. Ah non, mais c'est dans Renderer IMGV. Bah bravo. Les péripéties. Et bah du coup c'est IMG8 get background draw list. Ce qui est assez logique finalement. C'est marrant ça quand même. C'est fou hein. Alors je regarde parce que du coup il y a... Là sur la question il y a personne qui a dit ça. Du coup, en fait, il faut juste remplacer le get window draw list par. C'est ça, par get background draw list. Et après, tu fais tes appels dessus. Add rect, add field rect, rect field, etc. Et du coup, tu vas pouvoir conduire à la réponse. Parce que t'es heureux. Comment? Tu vas pouvoir répondre, monsieur. En plus. Bah, faut que je regarde exactement ce qu'ils disent à la fin. Parce que. Je vais te partager le truc. Que je lis en diagonale et il y a des longs messages. Et du coup, quand tu lis en diagonale, un long message, t'as tendance à perdre la moitié des infos dedans. Ouais. Okay. Du coup, ici. Faut que je fasse des IMG8-2 par contre. Ah bah si, la dernière réponse en fait, il utilise... Ouais c'est ça, c'est la dernière réponse que j'ai pas eu le temps de lire en fait, et je me dis... Bah mais... ça va, il le fait. Réinterprète cast entre F32.2 et IMVEC2. Sans rien. Ouais. Faut que tu mettes une référence par contre. IMVEC2 ref. Sinon, le réinterprète cast il va pas aimer.
toute façon la réponse est assez. Comme ça. Crata. Par contre là tu pourras pas le faire parce que t'as pas une variable qui a le. Mais j'en ai une, qu'est-ce que tu veux. Regarde, elle est là. Elle était préfaite. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est de toute beauté. Par contre, le réinterprète casse, ça compile pas sous GCC. Voilà. Je sais pas ce que tu utilises. Enfin, il y a un warning. Compile pas sur. Ah, c'est un warning. Un warning. Mais pourquoi? Je te le mets. Bah, tu peux voir dans render text, tu peux voir dans render text de YamGV là, de render YamGV, il y a un warning qui est ignoré. Et s'expliquer qu'est-ce qui se passe. C'est du strict aliasing en fait, ça casse le strict aliasing. Mais en vrai, okay. Voilà. Un peu osef mais ok. C'est ça. Donc soit tu laisses ça, soit tu peux faire des games avec deux quoi. Ah j'ai pas mis les inputs d'IMGV. Je les connais pas. Tu sais que je les ai pas inclus ici apparemment. Le truc là, il est dans un truc un peu particulier, je crois. C'est IMGV. Underscore internal.h. Ah ouais, c'est le get background là. C'est ça. Ah oui, ok. Attends, non, il est dans imgv.h. C'est le. La méthode, elle est dans imgv.h. Et le drawlist aussi en fait. Pourquoi il vient de internal? Je ne sais plus. Peut-être pour. C'est un autre truc dans le fichier en fait. Ouais, c'est. Donc là, juste imgv.h. Une énum ou une connerie comme ça, peut-être. Peut-être. Comment ça? Bam! Ah, y'a pas de majuscule au G. Ah bon? Là, c'est un seul mot, monsieur. Il te manque un const. Sur le pointeur. On va se calmer, ouais. Ah, faut que tu mettes un const dans le matériel. Il manque un const. Dans le réinterprète cast. Ouais. À droite, monsieur. Wow. Et il te manque un const sur size aussi. J'avoue. Par contre, ça c'est mal. Bon, après. Et oui, du coup, dans le réinterprète cast, vu que tu passes en. C'est une référence, tu vois. Sinon, tu fais un static cast. Je suis pas sûr que ça marche, c'est cast d'ailleurs. Ah, j'ai dû oublier un masse d'arguments parce que j'ai pas du tout regardé le prototype en. Il doit y avoir couleur et tout. Aller ça. À la zone, bah ouais, je pense. Ah, direct. Alors, y a la couleur. Min, max, couleur, et après les autres, c'est des trucs. Tranquille. C'est IMU. IMU32 couleur. C'est un int en fait. Et après t'as des trucs pour convertir les couleurs, je crois, pour faire un truc 4 vers. Color 32. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais, c'est IMG get color U32 à partir d'un IMV4. Alors attends, c'est un IMU32 le color. Ouais. Les const aussi. Petit soustrait des couleurs. Fou. Comment? T'as essayé de soustraire des couleurs, j'ai vu là. Ah oui, le moins égal. Ouais. Ah oui, la soustraction de couleurs, c'est un truc très court. Ça se fait pas avec des moins. Tout à fait logique. Est-ce que tu crois que je peux genre lui balancer 4 flottes et il va déterminer que c'est un IM avec 4 qui doit créer? Ouais, par ici. Faut que tu les mettes entre crochets. Ouais, mais ça marcherait.
Ouais, sauf qu'après, il n'y a pas de constructeur comme ça. Il n'y a pas de constructeur comme YM ça. YMColor. Ah, c'est quoi YMColor? C'est pas un type YMColor? YMColor, c'est un type, ouais. Mais il prend avec 4 en paramètre, tu vois. D'accord. Donc ils c'est RGB, j'imagine. Ouais, RGBA. Je suis sûr qu'il va trop apprécier. Ça, ça va pas compiler là, monsieur. Ah ouais? Ah voilà, il est toujours ambigu. C'est ambigu. Toi qui es ambigu. Donc c'est un IMV4. Ah, du coup, autant appeler directement son constructeur quoi. Ça a pas mis l'argument dedans. Oui. Color. Color. Et le dernier argument, c'est quoi? Après, il y a d'autres trucs, mais il y a des arguments par défaut. Tu peux arrondir les angles. Black hole. TH. Ça, c'est explicite comme nom de variable. Ça, on aime bien ça. C'est quoi? TH. Ça, sickness. Ok. Sickness. C'est pour avoir des carrés plus ou moins c'est plus ou moins gros en fait. C'est pour les traits, je pense, l'épaisseur des traits. Ah mon dieu! On est 51. On dit ça. Bah oui, là, et du coup, vu que j'ai tout commenté, 45 points là. Il m'embêtera plus, tu vois. Est-ce que ça marche? Bah, je me dis si ça se trouve ça a marché, mais vu qu'on commence en 0-0 et qu'on a toute la largeur de l'écran, bah le route on le verra pas. Ah oui, parce que les traits seront à l'extérieur de l'écran du coup. Ouais. Il y a un truc, ah non, c'est ton point. Ah non, oh, ça marche, ça marche bien. Ça veut dire qu'il décide les bords sur l'intérieur. Les textes, ils ont des petits tailles points de merde de la taille de 0-0. C'est ça, il n'y a que la position du coup qui est. Ça te fait un point sur la position. Bah ça marche bien. Ouais. C'est bah tu vois, ça m'a fait découvrir un truc de VMG. De quoi? Le add rect? Ouais. C'est bien pratique ça pour le coup de. Mais après, encore une fois, faut passer par le tricks de get background à drawline. Ouais, mais c'est pas si. Ouais. Dégueulasse que ça. Bah, je sais pas si c'est dégueulasse, mais ça a l'air un peu aqueux quoi. Ouais, mais je crois qu'il y a plein de trucs qui se basent là-dessus. En fait, c'est dès que tu veux faire du rendu un peu custom. Bah, sur la fenêtre générale quoi. Ça. Même dans une fenêtre, tu veux faire un truc custom. Parce que tu vois, dans le IMGUI demo.cpp, t'en as pas un seul qui fait un get background. Ah ouais, non, il dessine pas, il dessine. Parce que IMGUI demo, c'est pour IMGUI. Pour être dans une fenêtre IMGUI en fait. C'est pour conduire la démo dans une fenêtre. Après, je sais pas s'il y a une démo en mode full power of IMGUI. Pourquoi pas. Mais tu vois, du coup, avec ça, tu peux faire n'importe quel UI avec IMGUI. Pas besoin de réimplémenter. Franchement, je sais pas. Ouais, pour l'instant, là, t'as tout qui est fait en IMGUI. Là. Tout ton écran. Oui, oui. Je balance. Regarde si dans les autres fichiers, il l'utilise, mais. Pas non, en fait. Ah, voilà. Il est utilisé nulle part dans les démos. Bah non. Dans c'est un détail. Internet. Et du coup, on va pouvoir corriger tout de suite la taille des boutons. Oui, c'est ça, tu peux le faire. Tu peux le faire facilement. Ils ont en effet du 0-0. Et c'est là où c'est. Eh hey, salut, c'est Ninja! D'abord. Eh hey, salut! Coucou, c'est Ninja! Comment ça va? On a du 190. J'avoue, pratique, c'est pour.
15. Tu peux mettre plus grand ta fenêtre là, ça me perturbe. On voit rien. Pourquoi ? Non, la... Tu vois, c'est cassé. La fenêtre IMG. Ah, bah, t'as cassé le debugger, mais... Parce que j'ai pas été notifié que j'avais une nouvelle taille de fenêtre. C'est ça, t'as pas géré les fenêtres. Je fais pas les events... Mais, les events... Non. Ouais. Donc, ça, c'est une taille de... 700 à 1015, on va dire 300. Alors, la question c'est, déjà, c'est vous faites quoi aujourd'hui? Ah. Fait du debug. On fait des trucs jolis à l'écran, regarde, il y a du vert. Alors, eux ils font ça, et au tout début du stream, on a parlé du fait qu'on va peut-être revoir les héros, parce que en fait, il y a trop d'RNG au niveau des héros, et. Il n'y a pas vraiment une stratégie qui se dessine beaucoup. Et sachant qu'il y a des héros qui sont trop spécialisés soit à rester dans la guilde, soit à aller dans le donjon, donc c'est-à-dire à combattre. Et on aimerait changer ça. Donc du coup, de mon côté, je fais ça. Voilà. Tu sais tout. Ça, il fait. Mon zéro, il est pas en zéro. Bon, c'est parce que t'as retaillé la fenêtre. T'as rechangé la fenêtre. Là, tu crois que c'est à cause du... Il y a moyen. À l'aide. Mais je bosse à chaque stream. Qu'est-ce que tu racontes? Chut. Et du coup... Ouais, tu feras gaffe avec ton le pandémie board. Je pense que t'as la base du Y qui va pas être dans ta zone. Secours. Base preuve, sinon mensonge. Comment? Pour la hauteur, en fait, t'as pris la, le bar du D. Et du coup, le Y qui va dépasser. Ah oui, oui. Après, j'étais plus large en moment, mais. Ok, j'ai pas fait gaffe aux valeurs. Mais... Bien écoute, c'est Ninja. J'ai un petit peu devant moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 documents devant moi. Pour bosser sur les héros, donc voilà. Voilà, hein. Donc je bosse. Travaille très fort. Voilà, c'est surtout que là, du coup, j'ai noté les idées de stratégie qui sont venues là en mode brainstorming. Et là, après, il va falloir que je modifie les héros en conséquence pour qu'ils collent un peu aux idées de certaines strates, ou en tout cas donner la possibilité d'être dans plusieurs strates. Donc, histoire de plus refaire la même erreur, c'est-à-dire de faire des héros spé guild et des spé combat, je vais faire en sorte qu'ils peuvent rentrer au moins dans deux strates. Voire plusieurs, parce que tu as des strates qui peuvent être convergentes sur, sur certains points. Du coup, je leur ai donné des petits noms aux strates. Ah, vas-y, dis-nous ça. Ça a l'air intéressant. Non, mais ça va être très rapide, hein. J'en ai pas fait non plus des millions, parce que là, du coup, je les ai fait là, il y a même pas quelques minutes, là, quand on a commencé à vraiment définir ce qu'il nous fallait pour les héros. En gros, genre, j'ai mis deux types de strats, en vrai. Il y a la strat de guild, donc en gros, ce qui va, elle implémente juste ce qui se passe dans la guild, en gros. Donc en gros, t'as la strat hold, où en fait, c'est le fait de mettre des héros en guild pour les buffer, pour qu'après, ils aillent en donjon. D'accord, d'accord. Donc c'est-à-dire qu'en gros, tu les préparais à aller au donjon. Donc y a quand même, ça implique quand même qu'il y ait au moins deux teams qui travaillent à ce moment-là. Tu vois, c'est-à-dire une team qui est en donjon pendant que l'autre en fait est en train de se préparer pour prendre la relève. Après, t'as la strat de farm, c'est le fait de produire des ressources, items, tu vois, des ressources ou des items en guild, que ça peut être aussi des pièces d'or. Mais en gros, voilà, ta guild, ça devient une usine à production, quoi. Après, t'as la strat que j'ai appelée cheerleader. C'est le fait de booster ou de buffer les héros qui sont en donjon grâce à la guilde ou avec les héros qui sont dans la guilde. Tu vois, grâce à voilà, c'est... Donc c'est... Ils envoient des bonnes ondes. Voilà, c'est ça. C'est... Ils envoient des bonnes ondes où ils vont buffer certaines capacités ou leurs statistiques de dégâts ou de points de vie, tu vois. Mais en gros, voilà, ce serait ça, en gros, auquel ça tournerait. Après, t'as la strat de sabotage, c'est le fait d'attaquer la guilde adverse ou de la saboter directement, tu vois, en annulant certaines choses ou en infligeant des dégâts ou en retardant certains arrivages, tu vois, ce genre de trucs-là. Est-ce que l'objectif, ça sera que les joueurs ils fassent une seule stratégie ou qu'ils doivent
faire un peu tout en équilibrant. Alors en fait, c'est juste des guidelines pour équilibrer les héros. Hein. Donc si jamais les joueurs arrivent à faire jouer plusieurs strats en même temps, tant mieux. Il y a des strats d'ailleurs qui sont très complémentaires. Hein. C'est-à-dire que il y en a une, tu peux très bien être sur deux strats en même temps. Par exemple, tu vois, je pensais justement là, j'allais venir, mais en gros, tu as la strat swap. C'est le fait de faire des changements de héros constamment entre héros en guild et héros en donjon. Et ça le fait aussi avec la strat hold ou avec aussi la strat cheerleader en fait. Ok. D'accord. Et ouais, ça, on parle juste de guild. Donc c'est-à-dire qu'après, il y a les strats en combat après qu'on n'a pas parlé. Mais en gros, très rapidement, après la strat sabotage, tu as la strat spé. C'est en gros, c'est la spécialisation de la guild dans une classe de héros, c'est-à-dire guerrier, rôdeur, brigand, mage ou prêtre. Parce que comme ça, du coup, en fait. Tous les, en fait, tu vas avoir une guideline sur, par exemple, les améliorations de guild que tu veux avoir absolument, ou les améliorations de héros que tu veux absolument. Donc du coup, ça fait que tu converges en fait tous tes efforts dans une type de guild en fait. Donc c'est-à-dire que tu peux avoir une guild full mage, mais ça peut quand même être viable, tu vois. C'est, okay. C'est juste que tu concentres, t'es pas polyvalent en termes de on va dire de dégâts ou de type de héros que tu vas avoir, mais ça peut tenir parce que du coup tu fais tout pour que cette classe là soit en mode hyper boosté quoi. Et après tu as les strats en combat, alors pour l'instant il y en a que 4, mais en gros tu as la strat malus, c'est le fait de faire d'améliorer tous les saignements, les brûlures et tout ça, les empoisonnements. En gros c'est tu tues les mobs ou les autres héros à petit feu en gros. Ouais. Donc en gros, le but, c'est aussi d'avoir des héros qui vont majorer ce genre de dégâts ou ce genre de malus. D'accord ? Et ça peut être aussi d'autres malus, comme le fait c'est de faire oublier une capacité à un monstre ou à un héros, tu vois, ou ce genre de truc. Ouais, ok. Après, t'as la strat Behemoth, c'est de favoriser un héros dans le combat pour qu'il fasse le plus gros des dégâts. Ok, et donc, genre tout le monde le buff autour. Ouais, voilà, c'est des trucs à buff ou en gros, qui vont faire en sorte que... Par exemple, tu vois, genre, j'ai un héros d'ailleurs dans la poule de héros qui est en fait à la base, si jamais on suivait le JDR, ce serait un guerrier de douleur. Mais en gros, lui, c'est plus il a moins de points de vie, plus il va taper fort. Ouais. Donc, berserk. Ouais, c'est un gros. C'est pas vraiment ça un berserk, mais d'accord. Dans l'idée, c'est. Mais en tout cas, voilà, donc du coup, il peut être accompagné en donjon par des héros qui vont essayer en fait de le maintenir en vie. Ou d'éviter qu'il meure en fait. Donc c'est-à-dire qu'il soit vraiment à la verge de mourir, tu vois. Ah, t'as dit verge. Ah, ok, d'accord, je vais te taper. Mais, mais enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est il y a cette idée-là de Behemoth, c'est-à-dire que vraiment genre t'as un héros principal qui va faire tous les dégâts parce que ça peut être viable, tu vois. Sur le long terme, en fait, il va faire tellement de dégâts que ça va être viable. Après, t'as la strat Vanilla, hein, c'est un groupe composé d'un héros tank, d'un DPS, d'un healer, ou d'un soutien DPS, ou d'un buff, tu vois. En gros, c'est une strat poly, où en gros, genre, chacun va être dans son rôle, et tu veux jouer comme ça, en gros, vraiment avec des rôles bien définis dans tes rangs. Et après, t'as la strat Holy, où en gros, tu fais partir dans le donjon que des héros d'une même foi ou slash type de famille. Donc, c'est-à-dire que t'as les prêtres et certains guerriers qui sont un peu typés paladins, vont vachement bien travailler ensemble, ça veut dire qu'en gros ils vont avoir le fait d'être des sacs à PV qui se soignent par exemple, par contre ils vont pas faire beaucoup de dégâts, et t'as d'autres héros qui sont plus du côté maléfice, traître et tout ça, qui eux par contre vont faire hyper mal, par contre seront un peu plus faibles en termes de points de vie, donc c'est à dire qu'il faudra faire attention à ça. Mais voilà, donc c'est un peu les seules strats que j'ai en tête, que j'ai marqué d'ailleurs sur un autre document, mais ça me donne quand même au moins une guideline sur ce que j'aimerais développer en fait avec les héros. Ok. La strat Holy, ça doit être un peu le bordel. Bah la strat Holy, c'est... ça... C'est un jeu. Ça va être... Voilà, t'es sûr que tu vas pas crever aux moindres embûches. Genre tu vois, t'as beaucoup de chances de t'en sortir, mais par contre, ça risque d'être très lent, quoi. Tu vois. Ouais. Tout à fait. Par contre, voilà, c'est... Ah. Tu vois, c'est... Fastidieux. Ouais, ça va être fastidieux. Par contre, la strat Holy, elle est... Enfin, la strat de foi, on va dire, pour être plus inclusif avec les autres gars qui sont pas très Holy, justement. Bah, c'est-à-dire qu'elle se marie vachement bien avec la strat de farm, par exemple. C'est-à-dire d'avoir le fait de produire des ressources, des items en guild. Parce que du coup, ce que tu vas pas avoir en dégâts, tu vas peut-être essayer de le produire, tu vois. En essayant de farmer des ressources pour acheter des items, des équipements et tout ça, tu vois.
Ou avoir justement une strat cheerleader au fond qui est là en mode genre ouais, tu vois, vas-y, tape plus fort, tu vois. C'est... Il y a des trucs comme ça. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que là, j'ai déjà revu quelques héros où en gros, j'ai fait en sorte que ils soient aussi intéressants en combat qu'en guild. D'accord ? Ouais. Donc du coup, j'ai bazardé tout ce qui est méditation curative, par exemple. Le fait de récupérer un PV chaque tour quand t'es en guild. Tu vois, pour certains héros qui n'avaient pas de truc de guild à eux, ça par contre, tu vois, ça va être bazardé tout de suite. Ou ça va être un peu plus... tu vois, un peu plus... emmerdement, tu vois, de l'autre guild aussi. Ouais. Par exemple. Donc ça, c'est tout ça, en gros. Il va falloir que je fasse gaffe, parce que du coup, vu que je change les spells, je change aussi, d'ailleurs, leur degré d'implication, on va dire... dans le fait d'équilibrer le personnage. Donc c'est-à-dire qu'en gros, bah, il va falloir revoir vite fait s'il a les bonnes attaques, les bons PV par rapport à ce qu'il fait, tu vois, en termes de capacité. Sinon, ça va faire un... On peut rentrer très vite dans un problème de héros overpowered qui est un peu caca, quoi. En tout cas, voilà. Mais en tout cas, il y a quand même des héros qui ont par exemple une capacité de guild qui est productrice, dans le sens où genre ça farm, quoi, ils rentrent complètement dans la strat de farm de guild, c'est-à-dire qu'ils vont produire soit des ressources ou des items. Et ça, par contre, je vais pas le changer. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même les rendre aussi intéressants en combat. C'est-à-dire que c'est vraiment un choix, tu vois, que tu fais à ce moment-là. Par exemple, je me souviens, bah tiens, bah, vu que c'est Ninja est là. La druidesse qu'on avait fait en live avec les autres qui étaient là à ce moment-là sur le chat, on avait fait une druide productrice, on va dire, de potions, d'accord, de potions de soins, qu'on a d'ailleurs nerfé un petit peu, c'est-à-dire qu'elle peut pas en produire en illimité. Elle est, disons que dans ta guide, tu vois, tu es fermé à un tant de nombre de potions maximum, tu vois, qu'elle produit. Et c'est nommé, c'est-à-dire que c'est pas juste tous les potions, c'est les potions qu'elle peut produire, parce qu'ils ont un nom à eux, donc voilà. Elle, par contre, si tu veux, elle pourra aussi en produire en combat, sauf que ça va bouffer son tour de jeu. D'accord ? Mais ce qui fait que c'est un heal sympa, parce qu'en fait c'est un heal qui peut intervenir à n'importe quel moment, à n'importe quel tour, tu vois, de chaque héros. T'as pas à attendre son tour pour utiliser cette potion-là. Donc du coup, ça fait un heal qui est un peu plus permissif dans son utilisation, et donc du coup ça reste quand même intéressant. Et cette capacité là on l'a aussi quand elle est en guild, tu vois. Donc elle est intéressante dans tous les cas. Après, on peut me dire, ouais, mais pourquoi en fait c'est pas plus intéressant au final qu'elle reste à la guild, parce qu'au moins elle a pas la chance de, enfin, elle aura moins de chances de crever en guild. Non, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que sa capacité en guild, elle va prendre un tour sur deux. Attends, faut juste que je relise, mais il me semble que c'est ça. Druide, voilà, oui. Donc voilà, oui, c'est ça. Donc un tour sur deux, elle va produire une potion. La potion de la sève, là, celle qu'elle peut produire. Sauf qu'en combat, elle peut le créer pendant son tour. Donc ce qui fait qu'en fait, quand elle est en combat, elle en produit plus. Par contre, elle est en danger, ça veut dire qu'elle peut crever. Si tu veux, genre, si tu arrives pas à la protéger, ouais, quoi. Mais au moins, comme ça, du coup, t'as un heal en combat qui est plus permissif. Donc du coup, c'est vraiment un choix. Ok. Donc voilà, c'est ce genre de petits changements qui se passent. Ah ouais, c'est intéressant. Donc il y a plein de trucs comme ça. Et puis il y a des héros qui étaient déjà un petit peu, qui rentraient déjà un petit peu dans ce style de stratégie, par exemple, que ce soit dans le farm, ou que ce soit par exemple dans le swap, dans une stratégie de swap, c'est-à-dire de constamment changer de héros qui est en guide ou en donjon. Parce que tu as des héros directement, soit qui vont aider des héros à aller directement pour remplacer un héros dans le donjon, et d'autres qui vont être plus en mode voilà, qui vont y aller eux-mêmes, tu vois, parce qu'ils auront une capacité qui va améliorer leur temps de déplacement jusqu'à là-bas, tu vois. Donc il y a déjà quelques héros déjà qui rentrent dans certaines cases. Après, le truc qui se passe, c'est qu'il y a une réécriture quand même à faire, parce que du coup il faut que ça rentre dans certains types de farms. Par exemple, la stratégie de sabotage, je l'ai pas trop explorée en fait avec la liste de héros qu'on a déjà de base. Donc du coup, c'est à moi maintenant derrière, tu vois, de remettre un petit peu les pendules à l'heure là-dessus. Marche. Voilà. Donc il y a plein de choses à faire. Ouais. Beaucoup.
c'est cool. Oui, plutôt. C'est amusant, mais c'est prise de tête parce que du coup, il y a des héros qui. Ouais, non, parce qu'en fait, si tu veux, là par exemple, typiquement, tu vois, je suis tombé sur le cas d'un héros. Genre, je lui ai changé là, sa capacité de guild. Bah, d'un coup, il était devenu offer pété du cul. Mais vraiment, genre, c'était monstrueux. Donc, du coup, bah, il a fallu que je baisse un peu soit les chiffres ou soit les nombres de machin, ou j'ai dû rajouter. Deux, trois petits trucs pour les rendre plus viables, quoi. Donc c'est encore un gros travail à faire. Ouais, ça c'est les trucs. Déjà, je suis content de pas être GD, tu vois. Bah, pourtant, moi je trouve ça super kiffant à faire. Ah ouais, ouais, j'adore. Ah, c'est un mec qui aime bien. Ouais, bah, sinon, j'imagine qu'il ferait pas ce métier. Hein, que... Ce monologue pour justifier qu'il bosse. Mais la Rosé, elle, c'est un truc de ouf. Prochaine fois que tu viendras sur Paris, tu vas voir, toi. Oula, cela ne vous regarde pas. Mais non, mais pas comme ça, mais bordel, mais quel bande d'enfoiré. Hey, ça a marché. Tour compilé. Heureusement, voilà. C'est pas une reel, ça va se faire en 2 secondes. Exactement, regarde-moi, c'est déjà fini. D'ailleurs, j'ai vu que Unreal, ils avaient racheté. Ah, il y a un nouveau. Ils ont racheté un nouveau truc. Ouais, ils ont racheté le truc là, tu sais, quand tu pouvais travailler à distanciel, tu vois, de ton PC. En gros, ça streamait ton PC en. Ah. Je sais plus comment ça s'appelle. Merde, j'ai. Il y a Unity aussi qui ont racheté un truc récemment. Alors qu'Unity, ouais, voilà. C'était pas trop leur vibe d'acheter des trucs. Mais... Oh merde, il y a un problème. C'est quoi ça? Alors, c'est que. Fatimink. Il crée un simlink. En fait, on a rajouté un script pour les assets. Il va faire des simlinks sur tes assets dans le dossier de build. Ouais. Donc là, il le fait pour les tests de Graphic Engine. Et il y a un truc sur Windows. Il faut avoir les droits de dev. Et en fait, ça, c'est le message d'erreur qui pète parce que j'ai pas pu le tester. Chez moi, ça marche direct. Et ben voilà, cadeau. Ça te fait plaisir? Ouais, là ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir. Est-ce que tu peux aller dans le sous-project Asset Generation? Tu as trouvé le script Create Simlink. Ouais, je le vois. Je vois la ligne version supérieure à 10. Mais tu remplaces par int version. Une parenthèse par version. Par quoi? Int. Parce que version int. C'est une string. Ah bah pour la caster? Ouais, c'est ça. Une parenthèse version du coup. Ouais, je pense que ça fera. C'est un cast en Python, tu mets le type et la parenthèse, tu vois. Je crois. Ça fait longtemps. Hop là, et là il va dire le vrai message d'erreur. Il faut que tu sois soit en développeur mode, soit que tu lances ta commande en admin. Du coup tu peux te noter le unit à casser. Ouais, je l'ai fait chez moi. Développeur mode, note mais... Donc si tu lances avec un sudo normalement en admin, je sais pas comment. Ouais, faut que je lance la command line en admin. Ouais. Je pense. Ou alors que tu actives ton développeur mode. Je sais pas où ouais, c'est une option Windows. Si en plus je suis en Windows Family, alors je suis même pas sûr d'avoir accès. Ah, c'est peut-être que dans le pro, ouais. Oui, ben moi je paye pas mes licences, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouf! Tu passes en live. C'est mal. Non, mais celle-là elle est payée, mais c'est ce que j'avais acheté, ouais. Un PC, et du coup elle était inclue dans le prix, tu vois. Ok. Et pour passer à Windows Pro, c'est genre 10 balles. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais pourquoi je passerai en Windows Pro, tu vois? Mais pour que le script marche. Mais d'ailleurs, ça change quoi vraiment? Merci. En fait de passer en Windows Pro ou quoi là? Il y a des fonctionnalités que t'as pas en fait en Family Pack. Ouais, notamment des trucs pour faire des machines virtuelles ou des choses comme ça. Pour les serveurs aussi, tu les as pas. Mais... Voilà. C'est surtout, quand t'es pas développeur, ça sert pas à grand chose. La version pro. Oui, c'est pour avoir des besoins spécifiques pour que ce soit intéressant après. Du coup, j'aurais besoin de l'avoir en admin tout le temps maintenant, ou c'est juste quand tu dois faire le simlink et une fois qu'il est fait, bah, il réessaie pas de le faire. Il le fait à chaque fois le simlink. Les os. Oh, 20 heures pile. Ouais. T'as vu, ça marche bien le curseur. C'est stylé.
Mais c'est des flottants, ouais, alors que c'est des pixels. Ouais, alors c'est un peu compliqué. Est-ce que... Ouais, je peux l'expliquer là en 5 minutes rapidement. Parce qu'en fait, comme on peut pouvoir gérer d'avoir plusieurs fenêtres, ce qu'on fait, c'est que en gros, toi c'est caché parce que tu sais, t'as le helper qui crée ta fenêtre là avec le contexte OpenGL, donc il gère ça en interne. Mais en gros, quand tu crées une fenêtre à la main, tu dois lui fournir, tu vas dire dans, lui donner une zone, un rect justement qui dit dans quelle zone elle est. Et cette zone, elle est dans un espace virtuel, tu vois, qui est infini. Et tu dis du coup, ma fenêtre sera dans ce carré-là de la zone virtuelle. Et du coup, tu lui dis, là par exemple, on met exactement la même zone que ce que tu as à l'écran, du coup, comme ça, il n'y a pas de, conversion à faire de ta main, de ton côté. Et du coup, la position que GetCursorPost te renvoie, c'est une position dans cet espace virtuel-là. Ouais, a priori, plusieurs fenêtres en fait. C'est ça. C'est à toi normalement de faire la conversion après pour dire ça va dans telle fenêtre, machin. Bon, comme toi, t'as un cas facile où t'as plus de fenêtre, bah, c'est transparent quoi. Y a pas de soucis. Mais... Et du coup, c'est pour ça que ça renvoie des flottes parce que si tu veux, tu peux la mettre plus grande ta fenêtre ou plus petite que ce qu'elle est vraiment. Et aussi. Oui, ouais, je vois, ça me rappelle des souvenirs ça. Et du coup, il y a aussi un truc, c'est que pour les inputs, on utilise GLFW qui, lui, de base, renvoie aussi des flottes pour les positions, même si c'est dans le repère de la fenêtre, parce que il y a certains systèmes où tu peux avoir une position en sous-pixel, tu vois, qui est plus précise que le pixel. C'est sur certains écrans, c'est supporté en fait selon le hardware. Alors, je sais pas quel c'est vraiment l'intérêt d'avoir ça, mais dans le doute, il renvoie des flottes tout le temps. Et voilà. Très bien. Donc je savais pas moi qu'il y avait des écrans qui permettaient d'avoir des positions de curseur plus précises que le pixel. On peut dire où est ton curseur dans le pixel quoi. C'est assez impressionnant. Je pense que ça doit être pour des trucs bien précis. Ouais, je pense que c'est assez particulier. Parce que du coup c'est quoi, c'est l'OS qui est censé gérer ça ou c'est le soft C'est le hardware qui gère ça. Ah, enfin, c'est un écran qui peut te renvoyer un curseur entre deux pixels. Quoi. Je pense que c'est ça, ouais. Je vais pas vérifier, mais. Donc, t'as bien. Ce que je me disais, ouais, si c'est de l'hardware, c'est forcément un besoin spécifique d'un corps de métier. C'est ça, ouais. Tu connais pas, mais. Après, si c'est l'OS, bah, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y en a pas 46 millions des OS, quoi. Ah, si. Il y en a pas mal. Ouais, il y en a pas mal, enfin, il y a beaucoup de dérivés Unix, quoi, mais. Mais du coup, ça veut dire que si les gens ont besoin de ça, ça veut dire qu'ils sont forcément sous cette OS là, tu vois, c'est un ouais, peu. Ouais, c'est un peu chiant, ouais. Et bah, du coup, on a commencé à intégrer les inputs souris, il n'y a plus qu'à faire les clics sur les boutons maintenant. Sur les... Ouais, je me disais, en vrai, on débug, tu vois, ce petit curseur, j'aimerais bien pouvoir le placer au pitch. À cliquer et que ça le fasse, ouais, ouais. Plutôt que de le déplacer là, tu vois. Genre, je vire ça, je laisse les coordonnées souris parce que ça peut être pratique. Et après, tu vois, genre, tu cliques et puis. Bah, à la rigueur, je peux garder ces positions là. Genre, bah, ouais, ça peut te servir aussi si tu veux. Pour lui set et comme ça, tu les vois bien, quoi. Et en plus, tu peux entrer, je sais pas si tu sais, mais dans les trucs comme ça, si tu double clic, tu peux rentrer une valeur au clavier. Ah, bah, je voulais essayer tout à l'heure et puis j'ai pas réussi. Bah, voilà. Comme ça, si tu veux faire un truc vraiment précis, tu peux le faire comme ça. Sinon tu pourras le faire en clic. Mais ouais, du coup ce serait cool de pouvoir guider le petit point. Bah ouais, ça te fera un exercice de input de clic pour la prochaine fois. Ouais, en plus c'est l'input de debug, je pourrais faire ça dans le main en mode gros crade, rien à faire. Exactement. Mais c'est très bien. C'est on a fini filatant en vrai. Ouais. Yes. Bon après on a pas fait grand chose, hein, ça fait du debug. Ouais, c'est mignon. On peut voir le problème de pourquoi je veux avoir des boutons un peu plus évolués que juste changer de texte à l'intérieur. Ouais. Parce que là, ça ne va pas. Ça, il ne change pas en fonction du bouton. Ouais. Du coup, je pense que ce sera le prochain objectif d'avoir des vrais boutons qui peuvent supporter d'avoir plusieurs widgets en fait. Un widget où t'as la string standard et un autre widget où t'as la string en mode ah bah il est sélectionné ouais. Et du coup mettre les fonctions d'activation que ce soit au clavier ou à la souris dans ce bouton, lui mettre une callback qui va bien et puis qu'il puisse du coup bah sélectionner qu'on puisse lui dire bah maintenant t'es en hover maintenant ouais. Tu l'es plus
la souris elle est là, qu'est-ce que tu fais, ce type de truc qui fait que bah un bouton c'est un bouton. Ouais. Faire du highlight. Ouais, tu vois. Ouais, voilà. Oui, oui, oui. Et maintenant que t'as les zones aussi qui sont définies dans le data, tu peux centrer ton texte. Qui sont définies dans le data, on peut centrer le texte, oui. Parce que du coup tu connais la taille. On a un peu plus la vision de ce que ça fait. Après c'est vrai que... C'est vrai que... C'est un peu chiant de pas avoir la taille du texte en dynamique, mais ça viendra. Ça arrive sous la rentrée, dans vos bacs. Mais du coup, est-ce qu'il y aura genre une méthode de rendu en mode bah voilà, je veux rendre ce texte de cette position sur cette taille là. Genre typiquement là tu vois je rends un truc plus grand que start mais sur le rectangle qui est affiché là. Ouais. Et que ça hide automatiquement ce qui dépasse, non. Ah, c'est probablement non, overkill hein. Mais, ouais non ça sera à toi de le faire. Parce que ça du coup c'est tricky parce que tu le vois pas du coup quand ton texte dépasse de la box. Ouais. Sauf si t'as un super debug de widget, mais ouais, du coup c'est un peu compliqué de en vrai de dire, si... ah mais j'ai pas cliqué dessus en fait. Il faudra ouais je pense on va avoir un truc je pense où tu pourras rajouter une zone en fait dans laquelle tu veux mettre ton texte et tu veux pas que ça dépasse, c'est facile à faire en fait mais c'est pas prévu enfin c'est plus genre pas forcément nécessaire mais c'est du nice to have quoi. De toute façon, ouais, là, le texte, en gros, c'est implémenté. Il manque juste à faire de la gestion de package là, pour qu'on ait notre exécutable de génération d'Atlas qui puisse être accessible. Et une fois qu'il y a ça, je vais commencer à rajouter des features dans le texte, donc ça rentre en partie. Du coup, là, t'es parti pour 18 mois de draw texte. Alors, moi, je pense faire petit à petit, tu vois, de télé. Good old times. Parce qu'après faudra mettre potentiellement des effets aussi, genre du highlight, l'outline, des ombres, des couleurs. L'italique c'est géré comment dans les textes, c'est une fonte spéciale ouais. En fait, pour l'instant on va dire que c'est une fonte spéciale. Mais après, normalement ça peut être géré par le rendu texte. C'est ça, en fait en général les moteurs de rendu ils ont un moyen de faire du gras de l'italique. À partir d'une seule fonte, tu vois, mais ça rend moins bien que si t'avais une fonte spéciale. Mais le gras, il le rend plusieurs fois avec des petits décalages. C'est ça, tu fais en général, c'est 8. 8 fois ? Ouais. Et du coup, c'est genre dans chaque direction ? Tu fais c'est ça. Chaque coin. Pour bas, gauche, droite et puis les coins. Ouais. Avec mais c'est très crade. C'est pas très jojo quand même, parce que du coup, ça veut dire que ton texte en gras, il coûte 8 fois plus cher qu'un texte c'est standard. Ça. Et ce qui est fort avec la technique qu'on utilise, c'est qu'on pourra le faire qu'une seule fois. On pourra le faire facilement le gras. Incroyable. On pourra le faire par très contre, facilement. Par contre, l'italique. Ah bah, l'italique. C'est dégueulasse. Mais non, faut pas dire ça. C'est fait à l'arrache, c'est tout. Bah, j'avoue, c'est quand même surprenant de se dire que. Je sais pas, ça doit faire. Un moment que les gens font du rendu texte et au final c'est toujours genre bah on le rend 8 fois parce qu'on a pas mis oui c'est bizarre c'est whip c'est déjà whip c'est work in progress c'est tout à fait dégueu ouais. Mais le rendu texte c'est une science très compliquée et pas du tout exact genre le monde entier est whip. Factuellement, c'est vrai, le monde entier est whip. Oui, tout à fait. Il y a tellement de travail qui est en progression. Il y a tout à refaire. Il y a beaucoup de choses à refaire. Attention, on ne dit pas de politique. En venir là. Mais voilà. Bah, c'est cool, moi je suis content que. Il y ait des inputs curseurs. Des inputs souris qui soient là. Bah fait. Oui, enfin! C'est ça, depuis le temps que tu l'avais fait et qu'au final on l'intégrait pas. Ça sera intégré.
Non, mais c'est bien comme ça, ça commence à te donner un peu de feedback sur ce que t'as fait et comment ça se passe. C'est ça. Bah, déjà, moi je peux te dire que le get cursor, au moins, il est simple d'utilisation. Ça va, c'était très cool. C'est chill. Et après, tu m'avais déjà donné pas mal de feedback au début, sur les premières utilisations du NLC et tout ça. C'est cool, mais c'est vrai que là, t'étais plus depuis un moment dans le système du UI, du coup. Ah, ça bouffe du temps, l'air de rien. Ouais. Mais il y a clairement pas tout, on est loin d'avoir tout. C'est pour ça que nous on veut pas rien, en fait. C'est pour ça que nous on veut pas en faire. Ouais, mais c'est dommage parce que du coup ça déporte forcément la gestion de l'UI sur l'utilisateur. Ouais. Et tout le monde a pas forcément la foi de refaire tout ce travail de gestion des widgets. Utiliseront YabGUI. Mais à nouveau, j'ai pas vu de jeu qui utilisait YabGUI en tant qu'interface. Bientôt, il y aura les nôtres. Parce que j'ai genre du debug, oui, il y en a moult, mais alors. Ouais, parce que c'est fait pour faire du debug. Alors en interface de jeu, j'ai jamais vu. Nous on n'est pas là pour utiliser des trucs comme c'était prévu. On n'est pas là pour faire comme on a dit. Exactement. Tout faire à l'envers et voir si ça marche encore. On n'est pas là pour écouter les cerises. Bah c'est bien. On va pouvoir clôturer là-dessus, je pense. Hein, pardon, excusez-moi. Oui. J'étais en train de regarder. Encore un équilibrage à la con. Du coup, mot de la fin. Tortue. Ok. Ça suffit. Très bien. Arthur. La gamme, n'est que ça le suffit. Bref. Sur ce, du coup, bah, on se revoit le 24. Oui. Le 24. Parce que c'est les vacances. Voilà, les vacances. Donc, du coup, en vous souhaitant une excellente soirée et en espérant vous revoir au prochain live. Voilà. Bonne soirée. Tchou tchou. Bonne soirée. Bonne soirée.